Salut à tous, c'est SciSpix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online à niveau 50 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage sur le personnage féminin. Donc, pour cette tenue, vous perdrez toutes les tenues que vous possédez à l'instant, à part celles que vous portez sur vous. Donc voilà, pour commencer, la tenue, vous y rendre dans une session sur invitation. Ça sera beaucoup plus rapide pour les chargements, etc. Et pour rester le premier coup, bien sûr. Donc une fois sur invitation comme à l'écran, vous allez ouvrir votre menu interaction et vous rendre bien sûr vers un magasin de vêtements, peu importe lequel. Donc en apparition, vous mettez dernière position, ça ira plus vite. Et puis, vous allez mettre sur vous la tenue que vous ne voulez pas perdre, comme moi par exemple. Une fois avoir mis tout ça, enfin avoir fait tout ça, vous allez vous rendre dans les tenues et supprimer maximum les deux premiers emplacements de vos tenues. Ou toutes, aucune importance, puisque vous perdez quand même toutes vos tenues. Donc supprimez toutes vos tenues, à part celles que vous portez sur vous. Et voilà, on n'en parle plus. Une fois cela fait, maintenant vous allez appuyer sur Options, aller dans En ligne, Activité, Jouer Activité, Créé par Rockstar, Mission, et vous lancez un travail de titan. Une fois dans les paramètres de l'activité, vous allez rien changer, juste confirmer les paramètres et vous faites jouer en solo. Une fois lancé, vous ouvrez votre téléphone et vous quittez l'activité. Une fois l'avoir quitté, une fois spawn, vous serez toujours en session sur invitation. Normalement, si ce n'est pas le cas pour tout le monde, refaites-le. Une fois spawn, vous allez encore une fois appuyer sur option, aller dans en ligne, et cette fois-ci appuyer sur changer de personnage. Donc une fois que vous serez dans le choix des personnages, si votre personnage principal féminin se trouve à droite, vous ne pourrez malheureusement pas faire de tenue modée. Il faut qu'elle se trouve à gauche, comme à l'écran, obligatoirement, sinon ça ne marchera pas. Donc là, vous allez créer un personnage secondaire masculin qui doit se trouver à droite. Si il est déjà créé, c'est pas grave, vous avez juste à le sélectionner, enfin choisir le personnage, et vous faites la tenue. S'il n'est pas créé, vous allez faire X pour le modifier. Et donc là, vous allez accepter ce message. Ici, c'est une femme comme à l'écran, vous allez changer le sexe. Un homme. Donc là, je mets un homme et vous sauvegardez et continuez. Donc là, vous lui donnez un nom, ce que vous voulez, et vous prenez une photo. Et quand vous allez respawn, vous allez respawn automatiquement en session sur invitation comme à l'écran. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez raté, oublié quelque chose à la manip. Donc une fois sur invitation, vous allez vendre dans n'importe quel magasin de vêtements et aller haut dans la catégorie des blousons de cuir et vous mettez la veste cuir fourrure léopard. 30 sur 53. Toujours dans les hauts, vous vous rendez dans les chemises pour bureau, enfin chemise de bureau, et vous mettez la chemise marine à rayures, 34 sur 37. Une fois mise, vous vous rendez maintenant dans les pantalons, et dans la catégorie des pantalons de costume, et vous mettez le pantalon rayé bleu marine, 61 sur 68. Une fois l'avoir mis, vous y rendez dans les chaussures, dans les baskets, et vous mettez les baskets montantes uni-rose, 2 sur 37. Une fois mis, vous vous rendez maintenant dans les accessoires, dans les cravates, et dans les cravates, vous mettez la cravate fine rouge, 49 sur 86. Toujours dans les accessoires, cette fois-ci dans les gants, vous mettez les tactiques clair forêt, 4 sur 64. Et puis maintenant, vous pouvez sauvegarder la tenue au premier emplacement. Et on passe à la deuxième tenue. Et pour la deuxième tenue, vous rendez à nouveau dans les hauts. Cette fois-ci, dans la catégorie des gilets de braquage. Et vous mettez le gilet de braquage lourd noir. 37 sur 39. Toujours dans les hauts, vous rendez dans les t-shirts designer. Et vous mettez le t-shirt Pégase. 67 sur 68. Donc on ne voit pas, mais regardez le numéro, c'est celui-ci. Et puis maintenant, dans les accessoires, dans les chaînes, et vous mettez le collier or magnétique, 8 sur 44. Alors, on ne voit pas la chaîne, elle est en dessous, c'est normal. Et regardez le numéro et le nom de la chaîne que j'ai mise. Et puis, vous sauvegardez la tenue au deuxième emplacement. Une fois sauvegardé, vous appuyez sur option en ligne, éditeur. Donc, une fois que vous serez dans le mode éditeur, vous allez appuyer sur créer une course, course terrestre. Et maintenant, vous remplissez partout où il y a des exclamations rouges, titre, description, photo. Vous mettez ce que vous voulez.
et puis un type de parcours, vous mettez parcours, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, vous placez la zone d'activation et les points de passage. Pour les points de passage, la course devra faire 1 km 2. Il faut que la course fasse plus de 1 km obligatoirement. Et puis vous testez la course et une fois avoir fini de tester la course, vous allez accepter le message terminé. Une fois accepté, vous appuyez sur option, allez dans en ligne, choisir personnage. Donc une fois que vous serez à nouveau dans le choix des personnages, vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire masculin qui se trouve à droite. Donc faites très bien attention à ne pas supprimer votre personnage principal féminin qui se trouve à gauche. Faites comme moi, faites gauche, droite plusieurs fois. Comme ça, vous êtes sûr d'être sur le bon personnage à supprimer. Donc là, vous appuyez sur carré et vous marquez supprimer sans majuscule et sans espace à la fin, sinon ça ne comptera pas. Donc vous allez avoir un petit chargement et puis là, vous allez juste un peu attendre et puis appuyez sur rond pour retourner en mode histoire. Une fois que vous serez en mode histoire, peu importe avec quel personnage, aucune importance, vous allez appuyer sur Options, aller dans En ligne, jouer à GTA Online, session sur invitation. Et donc, une fois que vous serez dès votre session sur invitation, vous verrez que vous n'aurez pas la tenue modée directement, c'est normal. Donc du coup, une fois que vous spawnez comme à l'écran, vous allez vous rendre à l'intérieur d'un magasin de vêtements pour déjà sauvegarder la tenue que vous portez sur vous, comme à l'écran. Une fois cela fait, vous allez voir que les deux emplacements de vos tenues du personnage homme ont bien été transférés sur mon personnage principal féminin comme à l'écran. Donc si vous êtes pareil que moi, c'est parfait. Donc vous restez toujours dans la tenue, vous allez des braquages du casino, dans les équipements du groupe SEC, SIC, je sais pas comment on dit, et vous prenez celle que vous voulez. Alors bien sûr, il faudra avoir fait le braquage avec ces tenues-là. Donc vous mettez la tenue que vous voulez, moi j'ai pris celle-ci. Une fois l'avoir mise, vous y rentrez dans les accessoires, dans les gants, et donc dans les gants, vous allez mettre les gants de laine noire. Celle-ci. 59 sur 65. Vous les mettez. Une fois mise, vous vous rendez dans les chaussures. Des chaussures de garde arène. Et vous mettez celle-ci. Les lumineuses blanches et rouges. 45 sur 48. Une fois les avoir mises, vous allez appuyer sur Options. Allez dans En ligne. Activité. Jouer activité. Créer par Rockstar versus. Et vous lancez Ripou. Donc pour lancer Ripou, vous aurez besoin de quelqu'un, que ce soit un ami ou un inconnu, aucune importance. Si vous avez personne, appuyez sur invitation auto ou alors rejoignez ma communauté pour vous entraider, elle sera marquée en description. Ensuite, les paramètres très importants, un vêtement, mettez posséder, n'oubliez pas, très important. Et puis vous confirmez les paramètres et vous faites jouer quand vous avez quelqu'un. Donc vous lancez. Vous descendez sur tenue possédée, vous faites une seule fois flèche droite et une deuxième fois et vous aurez votre tenue modée sur vous. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre prêt, votre ami aussi. Donc les bras vont réapparaître, vous inquiétez pas. Donc là vous ouvrez le menu interaction, allez dans style accessoire matériel et vous faites flèche de gauche pour mettre une oreillette. Une fois l'oreillette mise, vous quittez tout simplement l'activité par le téléphone comme à l'écran. Il faudra quitter une fois respawn. Vous aurez donc la tenue modée sur vous. Donc là, mes bras sont réapparus, c'est normal, c'est parfait. Donc là, vous allez juste sauvegarder la tenue à l'emplacement que vous voulez, où vous voulez, à un magasin de vêtements, à votre appartement ou à la maison, aucune importance. Donc là, on va remettre les gants qui s'étaient enlevés, c'est-à-dire les gants de laine noire, celle-ci, enfin les mitaines noires, c'est comme vous voulez. Enfin après, vous mettez les gants que vous voulez, voilà. Et puis, vous sauvegardez la tenue, et la tenue est terminée. Si vous voulez rajouter un masque, un recycleur, ce que vous voulez, vous pouvez. Donc là, je vais juste rajouter vite fait un recycleur, juste comme ça. Voilà. Donc la tenue est terminée. Sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. C'était SciSwix. Salut tout le monde. Peace!